Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Fidèles aux hommes, ils ont mis droit, Daïmata, Chino, bienvenue sur Datacall et félicitations. Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagner des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pole position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élection sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com. Messieurs, merci de suivre Critique Info. C'est les tout derniers numéros de la semaine. Voilà. Je voudrais, avant de commencer, parce qu'il y a beaucoup de messages, je vous rassure, des appels, des gens qui veulent, je ne sais pas, que je commente une actualité, une autre, tout ça, je vous dis un truc. Et ça, c'est mon principe, c'est comme ça que je fonctionne dans ma vie. Dans la vie, vous avez les grands principes, d'accord? Vous avez des grands projets et des grandes ambitions. Puis vous avez des épouvantails, des petits trucs qui se placent sur le long de votre parcours. Vous avez le choix. Ou vous continuez en regardant votre projection, vos projets, vos ambitions, vos objectifs, et vous le suivez. Mais alors, vraiment, vous le suivez? Ou vous vous arrêtez à chaque obstacle et vous y accordez beaucoup d'énergie à chaque obstacle. Ça veut dire que vous n'allez jamais atteindre vos objectifs. Dans la vie, il y a des choses que l'on suit et d'autres qu'on ne suit pas. Vous ne pouvez pas tout suivre. Un aîné m'a dit, au cours d'une émission, quand on a beaucoup d'objectifs, on n'a pas d'objectifs. Vous devez toujours garder ça dans votre esprit. La marche vers la liberté d'un pays, la marche vers la libération d'un pays, la marche vers le développement d'un pays est parsemée par beaucoup d'embûches, beaucoup de difficultés, beaucoup de contradictions, beaucoup de contrariétés, parfois même beaucoup de désespoir. Mais c'est seulement lorsque vous vous arrêtez à des histoires, excusez-moi de le dire, futile que vous pensez que ça ne peut plus aller. Mais lorsque vous regardez autrement les choses, vous vous rendez compte que ça peut toujours marcher. Les États-Unis, la France, l'Amérique, toutes les grandes nations ont connu des périodes de turbulence. Tous les pays du monde ont connu à un moment donné des périodes où les hommes étaient forts, où les hommes étaient intouchables. Mais c'est par rapport à leur, disons, c'est dans leur capacité de comprendre le problème, de transformer leur société, d'abord les mentalités, ensuite les institutions,
que ce pays-là ont réussi à se développer. Et puis, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Les aînés, les sages, les avertis ont compris. Ma foi pour un véritable état de droit reste inébranlable. Ma foi pour une vraie démocratie basée sur l'ordre et la discipline reste imparable. Et je peux vous rassurer encore, ma foi en une république des hommes intègres demeure entière. Ça veut dire que je ne peux pas, moi personnellement, perdre espoir à cause des petites choses par-ci, par-là. Je reste focalisé sur le grand objectif qui est pour moi le rétablissement de notre pays. Parce qu'on l'a dit, ce pays, il faut le refaire. Nous devons refaire ce pays. Et on va le faire avec tout le monde. Nous le ferons avec tout le monde. Donc, voilà. Bientôt, on va comprendre. Alors, je reviens sur la question, encore une fois, d'actualité. À Nairobi, l'Ouganda a soutenu Kigali. Bujumbura a pour sa part soutenu Kinshasa. Le Kenya, le médiateur, se voulut neutre, mais a penché un peu pour Kinshasa. L'Uvumu, c'est des faussetés. En fait, pas des faussetés au sens que celui qui le dit ment, mais c'est des faussetés puisque nous n'allons pas tirer profit à cette histoire. Non, excusez-moi de vous le dire, la solution au problème congolais, c'est l'armée. Vous savez, le fondateur de l'État, on ne va pas dire que c'est Robinson Crusoe, non, je ne dis pas que c'est lui le fondateur de la société. Mais c'est l'un des penseurs, on va dire, un personnage assez important qui nous a fait finalement comprendre que la société n'a de sens que lorsque la discipline et l'ordre règnent. Mais là, c'est pour des questions internes. À l'intérieur d'un État, les véritables balances d'une république, c'est l'ordre et la discipline. Bon, Benjamin Franklin, lui, disait, c'était la justice. Mais maintenant, du point de vue extérieur, la véritable balance d'un État, c'est sa capacité à se défendre. Or, ici, toute l'intelligence est mise dans la défense. Comment vous allez vous défendre? Comment on se défend? Aujourd'hui, la France, les États-Unis, le Japon, la Chine, bref, tous ces grands pays ont compris que la défense n'est pas que l'armée. Ils ont compris que la défense, c'est aussi l'éducation. Est-ce que vous intégrez la notion de la défense dans l'éducation? Nous devons arriver, messieurs et dames, dans notre pays, à inclure la notion de la défense dans l'éducation. Ça veut dire que nous pouvons nous défendre différemment. On peut se défendre en amont, c'est-à-dire en préparant des citoyens honnêtes, des citoyens disciplinés, des citoyens intègres, des citoyens retournés vers le travail, qui ont le respect du sacré. Si nous essayons de former ces gens-là convenablement, des citoyens qui connaissent leur pays, puisque j'estime que c'est impossible de défendre ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas défendre un territoire qu'on ne connaît pas. Il faut connaître pour défendre. Quand on ne connaît pas, on ne saura pas défendre. J'ai fait rire une fois le ministre de la Communication, M. Mouyaya. Je lui disais que c'était au cours d'une conférence, ne vous en faites pas, ce n'était pas un endroit privé, non. C'était plutôt dans un entretien. Je disais que j'ai rencontré un monsieur qui avait plus de 40 ans, enfin, plus âgé que moi, un peu plus d'ailleurs. Il avait plus de 40 ans. Le type dit, en fait, on parlait de Bounagane est tombé. Voilà, le gars dit, mais ah, bah, Congolais, parce que nous, Lukani, na Bounagane, vraiment, Mboka Batou, hein. Les Konini, au Congolais, qui ont Lukana Bounagane, Mboka Neko Kite, à Goufana, à Gomate, à qui ont Lukani, na Bounagane. Alors moi, sachant ça, pour un peu l'embêter, je dis, mais non, parce que même maintenant, donc, voyez-vous quelqu'un de comme ça? Mais je vous dis qu'il a plus de 40 ans. Alors, si déjà un citoyen ne connaît même pas son propre pays, comment va-t-il protéger ce qu'il ne connaît pas? Puisque tu ne peux pas protéger ce que tu ne connais pas. Pour protéger quelque chose, il faut que tu le connaisses. Et pour le connaître, il faut qu'on t'apprenne. Mais déjà, nous-mêmes, le système congolais, le système éducatif congolais a été désarticulé au point qu'on ne vous apprend pas l'essentiel. On vous apprend comme des petits perroquets. On vous apprend à croire. On ne vous apprend pas à raisonner. On ne vous apprend pas à réfléchir. Vous allez dans plusieurs écoles au Congo, il n'y a pas de carte du Congo. Il n'y en a pas. Alors que nous, qui avons grandi dans les villages, nous qui avons grandi dans les provinces, comme on dit plutôt Bambokatier,
LG, corrige-moi, mais je pense que dans toutes les salles, nous à l'école, à Lomboukor à l'époque, dans toutes les salles, il y avait des cartes du Congo. Il y avait même le globe terrestre. C'était des éléments les plus importants. Quand nous, on étudiait encore, on avait ça. Une grande carte. Ah, dans toutes les salles, une très grande carte où l'on pouvait avoir. Parce que généralement, derrière, il y avait des cartes, on va dire des cartes d'Afrique, il y avait des cartes du Congo, et puis il y avait des cartes d'anatomie. Où on a dessiné les corps humains, et ainsi de suite. On avait tout. C'est-à-dire qu'il y avait l'anatomie là-bas. Nous, on a étudié dans ces conditions-là. Mais depuis un certain moment, on va dire 97, 98, ces choses-là ont commencé à partir petit à petit, petit à petit, petit à petit. Au point qu'aujourd'hui, quand tu parles à quelqu'un, Chabunda est où? Il ne saura pas te le montrer dans une carte. Aujourd'hui, si tu poses la question à un Congolais, monsieur Chabunda se trouve où? Il va tourner sa tête 1000 fois, il ne sait pas. Pourquoi l'éducation va dans tous les sens? C'est vrai, on va dire, nous, même en Europe aussi, tu sais, même en Europe, il y a des Européens qui ne savent pas, tout ça. Non, mais écoutez, nous avons l'intérêt, la mission d'éduquer des gens, d'éduquer des citoyens, de leur donner quelques notions. Mais malheureusement, nous n'avons pas ça. Alors, quand un monsieur de 40 ans dit déjà que Bounaga n'est pas d'abus sauté, quand un monsieur déjà pense que Bolomba, il ne connaît même pas Bolomba, c'est où? On ne vous demande pas de connaître tous les villages du pays. Non, on ne vous demande pas ça. Ça sera terriblement difficile. Déjà qu'on a 145 territoires, vous ne saurez pas retenir tous les 145 territoires. On ne vous demande pas de le retenir, mais de le comprendre. Quand on vous dit tel territoire, vous savez au moins situer ça. Aujourd'hui, les Congolais, il y en a qui ont du mal à faire suivre Bilokwana. Mais alors, comment on va défendre Mbokanabango? C'est pourquoi vous avez, quand il y a mort, quand il y a tuerie chez les Kamouna Sampou, à Kinshasa, les bars et les boîtes sont ouverts. Et les gens dansent, les gens boivent. Quand vous avez un problème à Goma, les gens à Kinshasa continuent à faire la vie. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Parce que ce que vous ne savez pas, il y a un problème de cohésion nationale. On ne se sent pas soudé. On ne se sent pas lié par un même sort. Nous avons encore ce qu'on appelle le patriotisme déclaré. On n'a pas un patriotisme, je veux dire, constitué en valeur intrinsèque, où l'on a ça dans le sang. On n'a pas encore ça. Nous, on est encore dans les déclarations. Nos valeurs sont déclaratives, notre amour est déclaratif. Tout est déclaratif, même. Il paraîtrait même les impôts sont déclaratifs ici. Donc, tout est déclaratif, au fait. Alors, quand vous êtes dans un pays où tout est déclaratif, ça veut dire tout dépend de toi. Quand on dit déclaration, ça veut dire ça dépend de toi. Ce que tu veux dire exactement, tu le dis. Mais non, il faut que les valeurs soient des valeurs intrinsèques. Il faut que ce soit une certaine, on va dire, imposition. Mais alors, imposition venue dans l'éducation. C'est comme une science, on va dire, on va dire qu'on vous a finalement mis en vous, quoi. Mais malheureusement, on n'a pas. C'est ça notre plus grand problème. Alors, vous avez la question de l'Est. La question de la défense, nous devons l'avoir. Mais avant d'aller dans ces questions de défense, regardez, messieurs et dames. Le Congo est grand comme ça, d'accord? Mais nous n'arrivons pas 60 ans après à relier tout le bout de la RDC par route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Bossembe veut quitter Kinshasa pour aller à Doko, parce que vous savez même là où ça se trouve Doko, si je veux quitter la RDC pour aller à Doko, LG, on était avec toi à Doko? Ouais. Bon, voilà. Si je suis à Kinshasa, je vais aller à Doko, ça veut dire que je suis obligé de passer par l'Ouganda. Je vais d'abord passer par Entebbe, à partir d'Entebbe, je prends un avion et puis pouf, on me descend à Doko. Puisque je n'oserais pas prendre de route, les coupeurs de route peuvent surgir à tout moment. Et puis il y a même d'autres routes qui sont impraticables. Est-ce que vous imaginez ça? Vous êtes dans votre propre pays, pour aller dans votre propre pays, vous devez sortir de votre pays pour rentrer dans votre pays. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous imaginez ça? Ça veut dire que vous êtes chez vous au pays. Mais pour rentrer chez vous, vous devez sortir à l'extérieur pour rentrer chez vous. Ça veut dire 60 ans après, nous n'avons pas eu une seule politique de relier. Est-ce que vous savez les avantages de relier les routes? Les avantages de relier les routes, c'est que ça tue le tribalisme. C'est que ça tue le sédentarisme. C'est que ça tue beaucoup d'autres antivaleurs. Mais les avantages de cela, c'est que ça permet à accroître le tourisme, par exemple. Et parce que dans le tourisme, il y a le tourisme, extérieur et le tourisme interne, qu'on appelle généralement le tourisme urbain. Le tourisme urbain, c'est le tourisme qui se font sur la ville. Là, vous êtes là. Mais nous pouvons avoir un tourisme local, au fait, chez nous, au Congo. Quelqu'un peut quitter Mbandaka pour aller à Goma, Goma, Bandundu, Bandundu, Bakongo, Bakongo, Mbujima, Mbujima, Katanga, Katanga, voilà, Isiro, Isiro, on est. Ça veut dire qu'on peut circuler comme ça.
Et l'avantage avec tout ça, c'est que moi, je parlais à des ingénieurs. Et c'est ce qui est bien pour moi. Je parle avec des gens qui connaissent ces histoires-là. Et je parlais une fois à un ingénieur que vous connaissez, que j'ai même invité plusieurs fois, ingénieur Moulaba. Je parlais à l'ingénieur Moulaba, je lui ai posé la question. J'ai dit, monsieur l'ingénieur Moulaba, est-ce que c'est possible de reconstruire la RDC par route, de relier la RDC par route? Il dit, oui, c'est possible. J'ai dit, ça peut prendre combien de temps? Il dit, maximum 5 ans, 7 ans, on aura tout fini. Et ça veut dire des routes de qualité. Moi, je parle avec des amis qui sont au Canada. Il y en a des, il y a beaucoup, il y en a des, il y en a beaucoup qui sont au Canada, qui te disent, mais écoute, chez nous au Canada, je peux quitter tel point pour tel point. Ce n'est qu'une question d'heure. Je peux faire 4 heures de route, 6 heures de route, 8 heures de route, 12 heures de route. Vous voyez-vous un peu? Ça veut dire que je peux faire 3 heures de route, 6 heures de route. Les routes sont bonnes. J'ai un ami qui est actuellement en Europe. Il s'appelle Achille Sangui, l'aîné de toute la famille. Quand tu parles avec Achille, il dit, je vais prendre Suède, je suis en Suède, mais je vais aller dans Norvège, je vais aller dans... Oh, mais il va aller par quoi? Par route? Il va aller par route. Est-ce que vous imaginez ça? Ça veut dire que ces gens-là, quand vous mettez des routes, d'abord pour un grand pays comme le Congo, vous facilitez le transport, vous facilitez beaucoup de choses. Et vous facilitez aussi beaucoup d'autres activités. La route peut... Quelqu'un a répondu, même, j'ai oublié le nom de l'auteur. On lui a posé la question dans une université, dans une conférence. On dit, c'est quoi le développement? Il dit, le développement, c'est la route. Oh. Vous savez, toute l'université était pratiquement chaos. On dit, mais comment ça? Quand je suis la vidéo, j'ai dit, mais attends, ce gars, il est excessivement intelligent, alors il veut nous embrouiller. En quoi est-ce que les routes sont un facteur de développement? Ce n'est qu'après, quand on vous explique l'importance d'une route, on vous dit même que la route est un facteur pour lutter contre les agressions de votre pays. Vous dites, mais c'est quoi le lien? Comment là? Mais justement, vous avez des militaires qui doivent attaquer, atteindre un coin. Mais qu'est-ce qu'il faut? Mais vous avez besoin de route. Pourquoi les M23 ont bloqué une route? Pourquoi ils l'ont bloqué? Parce qu'ils savent que c'est la route qui ravitaille. Pourquoi quand les rebelles entrent dans un pays, ils cassent les ponts? Parce qu'il faut couper toutes les liaisons. Ça veut dire que lorsque vous avez des routes, lorsque vous avez des liaisons, lorsque vous avez des ponts, ainsi de suite, vous pouvez réussir à intégrer votre pays et à le mettre à l'abri de tous les problèmes. Et nous sommes en train de perdre beaucoup plus d'argent dans les routes quand vous n'avez aucune idée. C'est pourquoi je ne suis pas vraiment d'accord avec l'idée des murs. Parce que je me dis, si vous faites des murs, comment vous allez faire de routes? Puisqu'aujourd'hui, la civilisation veut que nous puissions créer des ponts, pas finalement des routes, pas des murs. C'est plutôt des ponts. Parce que les hommes sages bâtissent des ponts et les sots érigent des barrières. Mais il faut maintenant intégrer l'hypothèse, il y a comment on va faire pour corriger ces choses, comment on va faire pour régler nos problèmes, comment on va faire pour régler nos différends. L'armée reste la solution, à mon avis, la plus importante. C'est pourquoi je dis que dans la notion de la défense, il n'y a pas que l'armée. Dans la notion de la défense, il y a tellement beaucoup de choses. Il y a la culture qui peut être un véritable élément de défense. Vous savez pourquoi les Vietnamiens ont donné du fil à retordre aux Américains? Vous savez pourquoi en Cuba, avec cette histoire de baie de cochon, comment l'Amérique a eu du mal à s'en sortir? On a même appelé des généraux pour s'expliquer sur la question. Mais un général a dit, je crois que je ne voudrais pas me tromper, mais en tout cas un général, je crois à l'époque de Eisenhower ou quelqu'un d'autre, qui a dit, nous avons tout essayé, mais ça n'a pas marché. On a tout essayé. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Il dit parce que et les morts, et les vivants, et les bébés, et les mamans, tout le monde est contre nous. On ne peut pas gagner une lutte d'un truc pareil. Ça veut dire quoi? Quand ils arrivent au Cuba, ils trouvent une cohésion nationale terriblement suffisante. Et qui finalement se transforme en véritable mur. Donc moi, Mouta Kote Lebango, exacté. Lorsque l'Américain arrive, le Cuba... Il identifie l'Américain comme un oppresseur. Mais vous avez au Congo, moi j'étais dans une conférence modérateur. C'était encore la conférence de l'IDGPA, si je ne me trompe pas. Il y avait le professeur Mohindo, il y avait le professeur Mohindo, il y avait même Carbone, je crois. Et on était nombreux dans le cours de la conférence. Et un monsieur, je me rappellerai toujours, bon, il y avait aussi la dame, Madame Ekila, qui est chanteuse, qui a chanté avec Lexus Légal. On était dans une conférence, et vous savez, la proposition d'un étudiant, mais alors un étudiant, il dit, mais si nous sommes incapables de gouverner ce pays, mais pourquoi on n'est pas appelé Kagame qu'il vienne ici chez nous? Mais je vous dis, vous n'avez aucune idée de
de le moi. Mais c'était un effondrement. Mais on se dit, mais ce type, est-ce qu'il est né des parents? Mais est-ce que ce garçon est-il conscient de ce qu'il raconte? C'est ce qu'il dit. Il dit, mais non, appelons les gens. Et Madame Ekila est sortie en silence. On a attaqué le gars, fait verbalement, bien évidemment. On l'a réclassé après. En fait, ce n'était pas de l'intolérance. Mais c'était une surprise de voir un homme vivre et pondre une idée pareille. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce gars? Comment on peut imaginer ça? Comment on arrive à ça? Ça veut dire quand on arrive à produire une idée pareille, c'est qu'on est déjà mort à l'intérieur, on n'est plus humain. Comment quelqu'un de normal peut imaginer une seconde qu'Agame ait dirigé la RDC? Voyez-vous un peu? Et il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, il y a un autre cette fois-ci, c'était à l'IDGPA toujours, maintenant au CEPAS. Je vous parle, Madame Bazaïba était présente, Monsieur Martin Fayoulou présent, et puis c'était les docteurs Mukwege et bien d'autres. Alors cette fois-ci, c'était un professeur. Il y avait le professeur Njoli, il y avait le professeur Tumbalwaba, il y avait le professeur Matungunu, voilà, il y avait tous ces gens, et j'étais modérateur de la cérémonie. Et le professeur qui prend la parole, il dit non, mais vous savez, le Congo, il a d'abord commencé par parler de nos problèmes, de nos faiblesses et tout ça. Vous savez, c'était encore bien parce qu'en ce moment-là, vous étiez au pouvoir. Tout celui qui parle du mal du pouvoir, il est bien entendu, il est bien écouté. Donc voilà, on l'a entendu, c'était bon. Mais puis à un moment donné, le gars va aller dans le sens, mais alors, on va dire, infernal. Il dit non, mais voilà, il commence à parler du Rwanda. Le Rwanda est un pays discipliné, économie ceci, économie cela. Visiblement, le gars connaissait toutes les prouesses du Rwanda, sans connaître une seule prouesse de son propre pays. Bizarrement, qui lui a donné la licence d'enseigner des Congolais? Dieu seul sait ce que ce type a foutu dans les crânes des Congolais. Mais bizarrement, un professeur congolais, il va dire, ben écoutez, alors je me posais la question, pourquoi n'est pas appelé Kagame qui vient diriger? Ah, je vous rassure, Madame Bazaïba ne l'a même pas laissé finir sa phrase. Madame Bazaïba s'est levée, a demandé au monsieur de descendre, de ne plus parler. Et puis, monsieur Martin Fayoulou s'est levé aussi, et toute la salle, finalement, se lève. Le professeur, totalement perdu. Je vous dis professeur, pas assistant, professeur. Totalement perdu. Le prof Mbata essaie de calmer le jeu pour dire non, mais lui aussi, le prof Mbata ne comprend pas comment on peut dire des choses comme ça. Et professeur, le professeur Njoli n'arrive même pas à regarder les gens dans les yeux. Il est tout honteux, mais alors il se dit, mais c'est pas vrai. C'est un professeur qui raconte des bêtises comme ça. Et le prof Njoli contre la table. Le professeur Tumbalwaba désemparé. Le professeur Kamana perdu. Mais alors je dis, tout le monde était perdu puisqu'on entendait un professeur raconter des âneries. Non, mais alors je ne vous dis pas. Et nous, on était en train de regarder le gars. Je dis, mais waouh! Alors si c'est ça être professeur au Congo, ça ne sert plus à rien, quoi. Alors je me dis, si, dans une occasion comme celle-ci, dans une occasion de tous les enjeux où l'honneur et la crédibilité sont mis en jeu, il dit quand même ça, à combien plus forte raison quand il enseigne ses étudiants seuls? Qu'est-ce qu'il dit à ces gars? Est-ce que vous imaginez, devant tout le monde, il dit ça, mais quand il est seul avec les étudiants, qu'est-ce qu'il dit à ses étudiants? Comment l'université peut donner un diplôme, une licence à un monsieur comme ça? C'est à ce niveau que tout commence. C'est là le problème. Et c'est là que je dis, notre plus grand problème, c'est d'abord notre capacité de comprendre les choses. Donc je vous dis qu'il y a tellement de choses comme ça dans votre propre pays. Ça veut dire que vous-même, vous ne comprenez pas. Vous avez le syndrome de Stockholm. Ça vous détruit au point d'aimer vos oppresseurs. Au point de les aimer, de les chérir. Non. Lorsque vous voulez vaincre les ennemis, vous devez avoir une seule et une même idée. Ça doit couler, les fils conducteurs doivent être là. On doit suivre les fils conducteurs. Vous ne devrez pas prendre ça à la légère. Mais au Congo, vous voyez, des Congolais qui sont encore en train de faire le relais des propositions de Rwanda. On connaît beaucoup plus de choses de Rwandais que du Congo eux-mêmes. Et par qui? Par des Congolais. Le professeur Kamana disait que la musique, la politique, la religion abrutissaient un peuple. Moi, j'ai ajouté le média. Le média abrutit aussi un peuple. Qui sont nos journalistes aujourd'hui? Qui nous donnent des informations aujourd'hui? Qui sont détenteurs de beaucoup de vues dans les réseaux sociaux? Excusez-moi, il y a toujours des bonnes personnes, il y a toujours des gens bien, il y a toujours des gens...
pertinent. Mais à côté, il y a, s'il vous plaît, des délinquants. Il y en a qui tiennent les réseaux sociaux, qui tiennent les médias, voilà, tout ça. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus, vous ne sentez pas que ce journaliste, il est journaliste, vous ne le sentez pas. Vous ne sentez pas. Puisqu'on a tout musicalisé. Voilà, on a tout wengetisé. Tout a été dilapidé, je veux dire, vandalisé. Alors, on a perdu le goût à des choses essentielles. Donc, quand on aura défini la défense dans toutes ses formes, en dehors d'abord de l'armée, des citoyens conscients, des citoyens honnêtes, des citoyens vrais, des citoyens, on aura réglé beaucoup de choses. La défense, encore, toujours dans le niveau de l'esprit. Moi, je me pose la question. Comment faites-vous? Ça veut dire que tu détournes l'argent de tout le monde. Puis tu rentres chez toi, à la maison. Tu trouves ta femme et tes enfants. Tu les nourris avec cet argent du vol, avec cet argent du détournement. Bref, cet argent sale. Comment tu fais? Comment faites-vous pour dormir en paix quand vous savez que le lit sur lequel je dors a été acheté par l'argent du vol? Comment faites-vous? Comment faites-vous quand vous roulez dans des véhicules alors que vous savez que ces véhicules ont été achetés par l'argent du vol? Comment vous faites? Quel type de cœur avez-vous? Moi, je veux le savoir. Je réfléchis chaque jour, je me dis, est-ce que nous avons le même cœur? Est-ce que nous sommes toujours des humains? Comment arrivez-vous à vous taire devant une injustice? Comment arrivez-vous à vous taire devant le mal? Comment faites-vous? Bon, je peux comprendre. Mais ce que je ne peux pas comprendre, comment fais-tu pour aller à l'église et tu lèves tes mains, tu pries même, sachant que tu n'es pas prêt à arrêter le vol, sachant que tu n'es pas prêt à arrêter le mal, mais tu lèves quand même tes mains et tu pries et tu pleures. C'est bien pour le spectacle, les gens vont croire que tu as changé. Mais celui qui voit dans le secret sait que tu n'es pas changé et que tu n'es pas prêt à changer. Pourquoi? Comment faites-vous? Tu sais que tu es corrompu. Tu sais que tu es un corrupteur. Tu sais que toute ta vie est basée dans la corruption, dans le vol, dans la tricherie. Et tu le sais. Mais comment fais-tu pour aller à l'église et lever les mains pour prier? Comment faites-vous? On dit non, je vais chercher la repentance. Non, mais la repentance, ce n'est pas le fait de parler, c'est un état d'esprit. La repentance, ce n'est pas une activité de parler ou de... Non, la repentance est une attitude. C'est un état d'esprit. L'état d'esprit de ne plus faire ce que tu fais. Or, pour ne plus faire ce que tu fais, tu dois savoir pourquoi tu le fais. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais une chose, tu ne l'arrêteras pas. Il faut que tu saches pourquoi tu fais ça. Le mobile de ce qui te pousse à faire ça, ce n'est qu'en comprenant ça que tu résoudras le problème. Tant que tu ne le connais pas, tu n'abandonneras pas. Vous savez, il y a un adage qui dit ceci. C'est un adage en Kimongo. Mais le Kimongo est trop difficile pour moi, hein, surtout dans le niveau. Hein, même je comptais sur LG, mais même lui aussi ne comprendra pas. Comme on dit en chez nous, c'est pour dire quoi? Je vais juste traduire en français. Il y a un adage en Kimongo qui dit, celui qui sait qu'il ne sait pas, commence à savoir. Mais celui qui ne sait pas, qu'il ne sait pas, ne saura jamais. Ça veut dire que le début de la connaissance, c'est la connaissance de son ignorance. Quand tu sais que tu es ignorant, tu commences à comprendre. Mais le pire, c'est quand tu ne sais pas que tu es ignorant. Parce que si tu ne sais pas que tu es ignorant, tu tombes dans le cimetière
de l'ignorance. Or, l'ignorance, ceux qui ne le savent pas, l'ignorance, c'est la mort, en fait. L'ignorance, c'est la mort. La définition de l'ignorance, c'est la mort. Quand tu ne connais pas, tu meurs. Voilà pourquoi il y a un adage qui dit « Kozanga koeba, eza liwa yandambo ». Mais en réalité, eza liwa yandambo te, eza liwa yamobimba. Eza ka liwa yandambo po nini, po y a une possibilité à oyeba. On peut soko oyebi au sekui. Ça veut dire l'ignorance, c'est la mort et la connaissance, c'est la vie. Quand tu ne connais pas, tu ne vis pas. Quand tu connais, voici que tu vis maintenant. Donc, la quête de notre vie sur terre, c'est la quête à la connaissance. Chaque fois que tu connais, tu renais. Chaque fois que tu connais, tu vis. Chaque fois que tu connais, tu ressuscites. Chaque fois que tu connais, il y a une lumière qui s'ouvre, qui s'offre à toi et tu vois les choses différemment. Ce qui était hier pour toi comme de gain devient aujourd'hui comme de la boue. Puisque tu as compris ce que tu ne comprenais pas. Tu ne comprenais pas parce que tu ne vivais pas. Et quand tu connais, tu vis. Ça veut dire que nous marchons avec beaucoup de morts. Ils ne connaissent pas. Celui qui trouve son plaisir dans la corruption est un homme mort. Celui qui trouve le plaisir dans la haine ne vit pas. Celui qui trouve son plaisir dans l'injustice ne vit pas. Celui qui trouve le plaisir dans le mensonge ne vit pas. Celui qui trouve son plaisir dans la trahison ne vit pas. Dans la jalousie, il ne vit pas. Il y a plusieurs personnes qui vivent dans le cimetière de la haine, de la jalousie, de la méchanceté, de la corruption, de la concussion, des antivaleurs, du vol, de la flatterie. Ces hommes sont morts. Il leur faut un souffle de vie. Il leur faut la lumière. Il leur faut la connaissance. Puisqu'il a été dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra free. Elle vous rendra libre. Il n'y a point de liberté sans connaissance. La liberté est tributaire de la connaissance. Le degré de ta connaissance t'offre la taille de ta liberté. Tu connais peu, tu es un peu libre. Tu connais beaucoup, tu es très libre. Et c'est à vous de savoir ces choses. Je trouve que c'est important. C'est important pour chacun de nous. Sinon, à quoi ça sert de vivre une vie dans l'ignorance? Dans l'ignorance, dans les chaînes du vol, dans les chaînes du mensonge, dans les chaînes de l'avoir, du matériel. Plusieurs personnes sont encore dedans. Ils veulent avoir le matériel. Ils veulent avoir ils veulent avoir tout ça. Et c'est ridicule de voir des gens courir après. C'est visiblement ridicule. Ridicule. Mais je pense qu'on va construire notre pays plus beau, plus fort que celui-ci. Ne vous en faites pas, l'épisode du Rwanda va s'arrêter rapidement. Ça va s'arrêter très rapidement. Et le Congo va vivre bien. Il y a une prophétie pour ce pays. Et ça a été dit ça a d'abord été dit par Kimbangu. Ensuite par Lumumba. Par Mobutu. Ça a été dit par eux. Et l'avantage de tout ça, c'est que nous vivons ça. Lumumba avait dit que l'histoire de ce pays sera écrite ici. Et je crois que l'histoire est en train d'être écrite aussi ici. Une parenthèse pour terminer. Le discours de la fille de M. Lumumba, de Mary Lumumba, ce discours n'est pas sérieux. Elle dit, on ne connaît pas comment tu es mort. Si on connaît comment il est mort, on l'a tué. On connaît. On connaît comment il est mort. On l'a tué, on l'a jeté dans l'acide. On connaît. Il dit, nous ne connaissons pas qui t'ont tué, mais nous connaissons ceux qui l'ont tué. C'est la Belgique. On connaît ceux qui l'ont tué. Les Belges l'ont tué. Attends, il y a les Belges, il y a les Américains et puis il y a d'autres. Ils l'ont tué. Nous connaissons tous. On n'a même pas besoin de ne pas connaître. Au fait, le problème, c'est quand on a peur de citer l'agresseur, on tombe généralement dans cela. Et je crois même que je crois peut-être que le discours avait été réécrit. Ou peut-être que le discours avait été retouché. Parce qu'on ne peut pas dire ça. On connaît comment ça s'est passé. On connaît. Moi, je suis allé là, sur place, là où le corps de Lumumba, l'esprit de Lumumba, là où l'âme de Lumumba sortait de ce corps. Je connais bien. Donc, on ne va pas dire aujourd'hui qu'on ne connaît pas. On connaît, on connaît. On connaît comment il a été tué. On connaît qui l'a tué. On connaît. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. Hello. L'opinion de la Bible est la vidéo qu'on lit. Bon, il y a un tableau qui est États-Unis. On est comme un peu de la Genèse. Mon États-Unis.
Tata yoki kolela na bino, atindeli bino, Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolela lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bouche. Waouh! C'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio et komi lolingi na bino. Bona kozwa, mbisi ya kokauka. Topé en foutu un bilan chez Mama Samira. Ata Ozalina Posa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou, Ezali, Pebitoyo, chez Mama Samira, Manson Mazali, et le comment côté au Koulouko, comment on a été. Nandenga va bête, pour la cause de quoi détail. Yoka numéro, numéro 938, avenue Maurice, na New York. Adresse, y'a entrepôt, 12, 40. Avenir Randol dans les banques. Tala, yoko banda koteka. Mbisia koka uka. Mongusu, ma foute mbila. Et koko maloko la bazoka na yo. Yeah yo, Congolais Mama Samira. Ma kien bae. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour la. Oh,